Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du Silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie. Il danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leur vision du monde, leurs espoirs et leurs rêves. Je m'appelle Stéphanie, alors je calcule pas toujours mon âge, comme tu le sais, j'ai des soucis avec le temps. Je crois que j'ai 39 ans, ouais c'est ça, j'ai 39 ans. J'habite à Tours depuis une petite dizaine d'années et je suis très heureuse d'ailleurs d'habiter à Tours. Je viens du Cher, où j'ai principalement grandi. T'as au niveau de t'as des frères et sœurs Ah oui, 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 ils existent. En fait, donc j'ai un frère, enfin c'est des demi-frères, on n'est pas du même père, je suis d'une seconde union. J'ai un frère et deux sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi. Voilà. Donc du coup, que j'ai pas beaucoup grandi avec, du coup, puisqu'ils sont plus âgés. Donc voilà, j'ai très peu de souvenirs de vie en commun avec eux. Un peu plus avec mon frère, parce que c'était le dernier qui est parti. Mais voilà. Aujourd'hui, on est plus unis qu'on l'était en fait quand j'étais gosse. J'apprends vraiment plus à les connaître maintenant. D'accord. T'as grandi du coup dans quel coin Principalement du côté de Bourges, okay. Une petite bourgade en dessous de Bourges. Et j'ai vécu quelques années à Blois pendant mon adolescence et je suis revenue après du côté de Saint-Amand parce que ma famille me manquait, principalement mes sœurs, et j'ai commencé à travailler là-bas. Voilà. Ok. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? À quoi tu consacres ton temps? Alors, j'adore la nature, donc j'aime bien me promener, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup passer du temps avec mon bébé chien, c'est le fils que je n'aurai pas, il s'appelle Serge, c'est mon petit bulldog anglais qui a qui aura 5 ans à la rentrée prochaine. Et je prépare actuellement ma reconversion professionnelle parce que je suis chargée de clientèle dans un centre de maintenance informatique, ce qui ne me correspond plus du tout parce que c'est très loin de mes valeurs. Et aujourd'hui, je prends conscience en plus avec le temps qui passe et une maladie que j'ai eue il y a quelques années qu'en fait, faut tout oser en fait. Et surtout pas se priver, et que ça soit par croyances limitantes ou autres, de se lancer et se donner de la chance vraiment de faire ce qui nous appelle. Et du coup, donc ma reconversion professionnelle touche à un projet qui me tient vraiment à cœur, qui concerne la relaxation aquatique, l'Atma Janzu. Donc je me suis formée il n'y a pas très longtemps à cette pratique. Et je prévois de m'installer prochainement en tant qu'entrepreneuse et en parallèle développer une activité de massage. Et c'est, je pense, une entreprise qui va évoluer avec moi et avec le temps, et auquel je rajouterai aussi diverses activités au fur et à mesure des rencontres et de ce qui me plaira. Comme d'avoir d'autres flèches à ton arc. Ouais, tout à fait. Ouais, parce que c'est hyper important d'avoir des activités variées, en tout cas pour moi, et de ne pas m'installer dans une routine où je pense que c'est ça vraiment qui fait que... qui tue l'âme, en fait, littéralement. Et toujours être en quête de découverte. Ok, une sorte de diversité, de se nourrir de différentes choses, ouais, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire dans ces aspects de massage? Le contact en priorité avec la personne et le fait de dédier un instant rien que pour elle, vraiment l'instant T, donc dans ce qu'elle est au moment où on se rencontre en fait.
On évolue tellement tous les jours, que ce soit par nos expériences et notre état émotionnel. Donc, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter en constant à l'autre. Et d'être en phase. Et, quoi. Ouais. Et le corps est pour moi est très important. C'est son premier notre véhicule et ça devrait être justement notre souci au quotidien, c'est de tout le temps le chérir et d'être là pour lui. Donc c'est vraiment pour moi un projet qui me tient à cœur dans le sens où je suis très touchée de la confiance déjà que les gens me témoignent par leur confidence et leur confiance tout simplement quand ils s'en remettent en fait à toi. Surtout dans les moments comme l'ATMA où la personne est totalement dans l'abandon en fait. Donc je trouve que c'est une belle preuve d'amour l'un envers l'autre. Ouais. De lâcher prise, de confiance. Ouais. C'est chouette. Si tu choisissais une couleur, quelle couleur c'est? C'est forcément une. le vert, j'aime beaucoup le vert, vert sapin, vert assez foncé, et le jaune. D'accord. Le jaune soleil. Ok, vert sapin et jaune soleil. Si tu choisissais une odeur ou un parfum. J'ai plus le nom des fleurs, elles sont violettes. Et elle pousse la glycine. Ah, c'est joli. C'est beau. Il y a un lien particulier avec elle ou c'est parce que c'est beau? J'ai pas de lien particulier. J'ai toujours aimé cette odeur. Ouais. Quand ça me rappelle aussi mon enfance, quand je passais dans les petites rues et je m'arrêtais souvent sentir. Sentir. Si tu choisis une saveur ou un goût ou un plat. Le citron. L'aspect acide. Ouais. Et la tarte au citron, meringuée. Ah ah. Cool. Ça précise comme ça. Et si tu choisissais un endroit idéal? Ah, idéal. Un endroit idéal. Alors, je ne l'ai peut-être pas encore rencontré. C'est vraiment un endroit assez isolé, en pleine nature, avec forêt, montagne et mer, avec un taux d'ensoleillement s'élevé. Comme en Touraine. Non, pas comme en Touraine. Donc, à proximité, les animaux et... une vie en collectivité quand même, avec un petit village dynamique pas très loin. Ok. C'est important. Et une piscine. Ah. Chauffée. Pour pratiquer. Ouais, c'est ça. Chouette. Et tout à l'heure, on a pris en photo un triangle. Est-ce que tu peux me décrire cette photo et pourquoi est-ce que tu as choisi? Ouais, le triangle, parce que je suis toujours en quête d'équilibre. D'équilibre, que ça soit dans ma façon de vivre ma vie personnelle en tant que maman, en tant que salariée pour le moment, comme je suis pas encore à mon compte. Mais ouais, c'est la recherche tout le temps d'équilibre, même émotionnel. Donc je suis quelqu'un qui part souvent dans les extrêmes. Donc c'est cette recherche d'équilibre constante. Et le triangle me fait beaucoup penser à ça, en fait. De toujours se rappeler d'avoir une base solide pour pouvoir mieux appréhender après ce qui vient à toi, dans les moments un peu moins faciles. Je trouve que c'est hyper important. D'avoir un ancrage. Ouais, d'avoir un bon ancrage et justement le fait après de pouvoir être relié d'où on vient, pour moi le ciel, les étoiles, c'est une bonne connexion qu'on peut avoir tant qu'on reste ancré en fait. Et cet ancrage. Oui, enfin pour moi du coup ça me rappelle aussi la terre et le ciel. Ok, mais il y a du coup deux points sur la Terre, quoi.
Quand tu mets le triangle dans ce sens, il y a deux points. C'est, ouais, c'est la stabilité que tu as bien posée. Ok. Ah, tes deux jambes pieds. Aussi. Ok. C'est intéressant. Quand t'es bien posée, ouais. Ouais. C'est ce qu'on travaille aussi avec l'ATMA, l'ancrage. C'est pour toi comme une sorte de travail constant ou est-ce que... Comment est-ce que tu vois, comment tu perçois l'ancrage et comment est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre-là? Pour moi, c'est encore un travail constant, dans la mesure où j'apprends encore aujourd'hui à me connaître et je pense que... Enfin, j'ai l'impression que c'est un travail qu'on aura toujours à faire, en fait. On apprend à se connaître en constant, en fait, tellement on évolue aussi à travers le temps. Donc ouais, j'essaye... je me dis toujours, tu fais au mieux aussi. Voilà, il y a des jours où c'est plus facile et puis d'autres jours non. Oui. Mais du coup, les jours où c'est moins facile, justement, d'avoir cet ancrage, d'avoir les amis, la famille, etc., ça aide. Chouette. Et la foi aussi qu'on a à développer, en tout cas que moi j'ai à développer aussi envers moi-même. Cette foi, tu veux parler de confiance ou... Ouais. Pas nécessairement une foi religieuse, mais surtout de croire en soi et de s'accompagner aussi au quotidien. C'est du gros taf. Ouais. Merci. On va avoir certaines questions sur le monde dans lequel on vit. Je voulais te savoir s'il y avait des choses qui te révoltaient dans ce monde. Ah oui. Ouais, la violence. L'injustice liée aussi à la violence aussi. Pour moi, l'injustice, c'est une forme de violence. Donc, la violence, c'est très, très, très difficile. Parce que je me suis toujours dit depuis petite qu'on n'était pas là pour se faire du mal. C'est quelque chose qui était très fort chez moi depuis petite. Et même quand je regardais les gamins dans la cour d'école se friter, je comprenais déjà pas, en fait. On est tellement là pour s'aider, s'entraider. Je pense que... c'est quoi la vie, quoi. Ça n'a aucun sens d'aller contre ça, en fait. Ce qu'on peut apporter de meilleur, ouais. Cette solidarité. Donc, du fait de voir cette violence et l'injustice, c'est quelque chose qui peut être révoltant. Complètement. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'on recherche tous la même chose. Je pense qu'on pourra passer du temps à interviewer 45 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on veut au final? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de savoir ma famille en bonne santé, j'ai de la chance, moi, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, de manger tous les jours. Donc ça, déjà, c'est énorme. Et c'est là, en fait, la vie, c'est qu'on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Ouais. Et je pense que la majorité des gens, en fait, qu'est-ce qu'on a envie? C'est le bonheur. Donc à partir de ça... C'est coup de sueur quand t'as pendu dessus, ça. Comment ça peut apporter le bonheur? Non, c'est pas possible. C'est clair. Et quelle est la chose ou les choses les plus importantes que tu as apprises de tes expériences de vie et des rencontres que tu as faites? De ne pas juger, même si c'est pas évident, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui, mais je sais que quand je juge, c'est... Dans la majorité des cas, c'est que il y a quelque chose qui me blesse en moi, et c'est pas contre la personne. Et ça, je l'ai remarqué au cours de mes différentes expériences. Même quand une personne me juge, je sais que je suis, j'ai toujours été déjà tolérante, donc je le suis encore plus maintenant. Et on ne sait jamais ce que l'autre a vécu aussi en face. Y a tellement de façons de penser différentes, tellement de croyances différentes, que même si on se ressemble parce qu'on vit en collectivité et qu'on a cette... du fait de vivre en collectivité, on a ce moule sociétal, entre guillemets, si je peux,
expliquer comme ça, si je suis claire. Ouais. On est assez conformiste, enfin, j'ai pas le mot exact. Mais à l'intérieur, vraiment, quand on creuse, on est tellement différents. Et voilà, on a tous des lunettes. Nos yeux, ce sont des lunettes, un regard différent. Donc, et c'est chouette, et encore heureux. Mais voilà, donc toujours éviter de juger et de se dire, mais je ne sais pas ce que la personne elle a vécu, ce qu'elle vit encore à l'heure actuelle, et qu'il y a toujours une raison pour qu'elle agisse en fait comme elle le fait. L'aspect de prendre du recul par rapport au fait de juger ou d'être jugé aussi. Est-ce qu'il y a autre chose ou principalement? Ben, je pourrais t'en trouver d'autres là encore, mais. En termes d'expérience là, de vie ou de rencontres. Ouais, ben après, j'ai fait les derniers temps, j'ai fait des merveilleuses rencontres et c'est ce qui m'a permis aussi de me réconcilier aussi avec moi-même. Et c'est ce qui me aussi conforte dans le fait de me dire qu'on n'est pas là pour se faire du mal, quoi. Qu'on est tous vraiment connectés les uns aux autres et quand tu te fais du mal, t'en fais aussi à toi-même. Ouais. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit ici. Quand tu fais du mal à l'autre, c'est ça, oui. Tu te fais aussi du mal à toi. Et c'est ce que je voulais dire. Certaines rencontres, ça a permis d'avoir un peu moins de jugement sur soi-même. Aussi, ouais. C'est chouette. Est-ce qu'il y a des choses du coup qui te donnent espoir dans ce monde? Ah oui. Oui, encore heureux. Oui, parce que bon, c'est vrai qu'en plus, là, on est dans une période où la guerre est... certaines guerres sont médiatisées et d'autres non. Mais ça existe toujours. Mais il n'y a pas que ça, heureusement. Toutes les personnes que je rencontre, j'ai fait tellement des belles rencontres les dernières années que ce sont elles aussi qui m'ont donné principalement espoir. Quand je regarde la nature, c'est beau. Et surtout, en plus, quand tu passes de l'hiver au printemps, c'est quand tu vois tout refleurir derrière, quand c'est tout mort et que ça rejaillit, c'est beau. Ça respire, ouais. Ça fleurit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je suis persuadée, même quand je vois de toute façon que ça soit toi à travers tes projets ou comme les autres, je vois tellement aussi de personnes qui ont de l'espoir et qui sont elles-mêmes aussi, ça fait du bien. Ça fait énormément de bien de voir des personnes qui osent être elles-mêmes, tu le sens, vibratoirement tu le sens, et c'est tellement agréable aussi. Donc on peut avoir de l'espoir. Moi j'en ai. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a des messages que tu aimerais peut-être transmettre aux futures générations plus jeunes? D'être au maximum tolérant, bienveillant. Et voilà, pas dans le jugement se faire plaisir à soi, ne pas s'oublier soi surtout. Et voilà, prendre soin de soi et prendre soin des autres. Ok. Tout ça dans l'amour. Ouais. Un petit bain d'amour. C'est ça. J'arrive à la toute dernière question. Si on t'accordait 3 vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu? 3 vœux qui se réaliseraient sur le champ. Donc sans condition, du coup, c'est 3 vœux. 3 vœux. Voilà, ok. Ben, déjà, que chacun puisse vivre sa vie comme il l'entend. Du coup, je pense aux violences, que ce soit aux guerres, la famine, de l'équité en fait. De l'équité plus de que de l'égalité dans le monde. Ça serait incroyable.
Donc ouais, ça serait mon premier, ça. Yes. Du coup, par ricochet, je pense que la nature s'en trouverait bien mieux aussi. Ouais, c'est clair. Le deuxième. Mmh. Ah, le deuxième. Du coup, ça pourrait faire ricocher aussi. Toujours au point de vue collectif, ça rejoint quand je disais que chacun puisse vivre comme il l'entend, c'est que, et ça se fait encore, ça se développe là, c'est des, j'ai pas le mot, des communautés en fait, individuelles qui sortent du système et qui montent, qui font leur propre vie à côté, et je trouve ça génial. Et même si moi j'ose pas encore, peut-être un jour. Inspirant. Mais c'est très très inspirant, ouais. Ouais. C'est très inspirant, et du coup ça me fait penser que oui, à la mort du capitalisme. Ouais, c'est ça, qu'on puisse sortir de cet aspect de quête de pouvoir, de pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Qui est encore de l'argent qui circule, que ça soit une monnaie d'échange, mais voilà, sans... Que ce soit pas une quête. Ça soit pas, voilà, une quête perpétuelle, quoi. Ouais. Mmh. Ok. Et je sais, j'ai encore un vœu. Ouais. J'ai encore un vœu. Ouais, c'est drôle de poser la question, parce que, tu vois, je pensais que ça me viendrait plus vite, mais... Non. Tu réfléchis bien, tu sais que... Ouais, en fait, c'est ça. Parce qu'après, t'es là en train de frotter la lampe et... c'est pas... C'est trop tard, après. Mais après, c'est tellement des choses importantes, là, que je t'ai énoncé, que du coup, c'est vrai que troisième... C'est comme t'as envie. Tout est possible. Ah oui, c'est vrai que tout est possible, hein. J'hésite entre voler et téléporter. Oh non, voler. c'est quand même mieux. Ah ouais, ouais. Ah ouais, avoir des covoites de pigeons, tu sais, à côté de ça. Tu vas où, Marcel? Ah ouais, ça serait chouette. Mais sans du ULM, des trucs comme ça, hein, vraiment. Juste pouvoir voler, quoi, comme ouais, Superman, ça, en fait. Ouais. Oui, comme ça. Mais à l'Atma, je peux te faire voler si tu veux. Ah, cool. Dans l'eau. C'est chouette. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, en termes de retour, de t'entendre répondre et de répondre à cette interview? C'est, je trouve que c'est toujours enrichissant. C'est pas forcément quelquefois, je sais que je me pose pas toujours. Je me prends pas toujours un temps pour moi pour réfléchir à ces questions-là. Et merci beaucoup. Parce que c'est enrichi, parce que tu apprends toujours à te connaître et tu vas fouiller toujours au fond de toi et te rends compte à quel point c'est important de prendre ce temps parce que en fait, c'est qui tu es à la base. Mmh. Et quand tu découvres qui tu es, tu peux mieux agir en fait en correspondance avec tes valeurs. Mmh. Mais c'est là où tu choisis justement, là où tu veux mettre ton énergie, là où tu veux plus la mettre. Mmh. Ce qui est important pour nous ou pas, quoi, en fait. Ouais, c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter avant de terminer? Oui, que tu es une chouette personne et que tu fais aussi partie de mes belles rencontres et de mes petites lumières, comme je les appelle. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix.